Cette édition est intéressante aux activités de Tech and Change, une entreprise qui veut accompagner les entreprises et les administrations dans leur transformation digitale en les assistant dans l'adoption et l'intégration de technologies. Cet accompagnement au changement s'effectue en mode agile depuis une idée jusqu'à la mise en production d'un produit ou d'une application. Pour mieux informer ses partenaires, Tech and Change a organisé un séminaire de formation à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire au plateau. Djikou de Silva. Tech and Change se veut une entreprise leader dans la digitalisation des entreprises et les administrations. Lors de ce séminaire, il a été question d'expliquer aux partenaires comment la digitalisation permet de bénéficier des meilleures pratiques en matière de gestion de la flotte. Géolocalisation des véhicules, motos et camions, réduction des primes assurance suivie de la consommation du carburant en temps réel, tout en payant la possibilité de personnaliser tout ceci aux spécificités de chaque entreprise et du pays. Toutes ces factures reposent sur du cloud, avec notamment sécurisé, avec notamment la base de la RTFI, sécurisé, où à chaque fois on rajoute ce qu'on appelle les ressources, de la mémoire, de ce qu'on appelle les CPU, machines, qui permettent de faire en sorte que, parce que chaque fois que nos clients augmentent, ça veut dire plus de données, il faut pouvoir faire en sorte que les temps de réponse soient toujours les mêmes. Donc ça, c'est tout ça dans le fait. Et bien sûr, c'est transparent. Donc ça, c'est un point qui va être important. Fondée en 2017 à Abidjan, République de Côte d'Ivoire, Tech and Change accompagne la transformation digitale de ses nombreuses entreprises et administrations. Elle offre des applications et des solutions technologiques innovantes, et ce, de l'ergonomie au design jusqu'à l'intégration. En dehors de ses activités de conseil aux entreprises et aux administrations, Tech and Change est éditeur de solutions logicielles dans différents secteurs d'activité, dont celui du transport.